Hey, j'ai une question pour vous. Have you ever learned a lesson in less than 10 minutes? Hello everyone, welcome, bienvenue sur Apprendre l'anglais by Larissa. Have you ever learned a lesson in less than 10 minutes? Personally, it has never happened to me. Has this already happened to you? Yes, no, not yet. Okay, I hope at the end of my lesson, you will be able to say, I have just learned a lesson in less than 10 minutes. Je vous propose De compléter ces phrases avec les adverbes ever, never, yet, already, or just. La correction, si tu as fait des fautes sur les verbes, je t'invite à réviser tes verbes ou à revoir la construction du present perfect. Dans la vidéo notamment de Barack Obama, j'explique très bien cela. Si tu as fait des fautes sur ever, never, yet, en tout cas sur le choix des adverbes, regarde la suite où j'apporte plus de précision. On utilisera ever dans les phrases interrogatives seulement. Donc, qui peut se traduire donc ever par déjà. Maintenant, never. On utilisera never dans les phrases affirmatives seulement, mais c'est pour traduire la négativité. I have never been to New York. I have never eaten this kind of ice cream, ce type de glace. Pour exprimer quelque chose qu'on n'a jamais fait. On utilisera just. Pour exprimer quelque chose qui vient soudainement d'arriver, qui vient juste de se passer, comme pour cet exemple avec cette porte qui est en train de s'ouvrir. On sera already pour exprimer quelque chose qui est arrivé plus tôt qu'attendu. Ou comme une surprise. Si votre maman vous dit, Have you tidied your room? Yes, mom, I have already tidied my room. OK? Yet se place généralement en fin de phrase et il se traduit par pas encore. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire si j'ai oublié des choses, si vous voulez ajouter des choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.